en voix off, je préfère. Au début, j'avais sorti une vidéo de 40 minutes et c'était pas super. Alors, donc, c'est une voiture de 140 chevaux. Pour ma part, je suis équipé du 1,8 litre IVTEC, donc moteur atmosphérique, à bien noter. On y reviendra un peu plus tard par rapport à la consommation, etc. Donc, trois motorisations, le 1,8 litre 8, le 1,4 litre 4 IVTEC et le 2 litres 2 ICTDI que je vous ai déjà présenté dans la présentation de mon père. Donc, 180 Nm de couple, ce qui est assez faible, mais c'est un moteur atmosphérique, on ne l'oublie pas. 1,4 tonnes à peu près, donc un poids, un rapport poids-puissance, voilà, il faudrait pas moins, c'est pour ça que je vais venir quand même vous conseiller au minimum soit le 1,8 litre, soit le 2 litres 2. Il faut savoir que cette voiture du coup est idéale pour des routes entre 80 et 110 km/h. C'est là que vous allez vraiment gagner au niveau consommation et au niveau sonorité. Donc une voiture discrète. Hein, voilà. Si après on veut la sonorité, de toute façon il suffit de dépasser les 4000 tours. Donc une consommation moyenne, rien à redire, la consommation est tout à fait tenable. Je tourne entre 7 et 8 litres, 8 litres quand vous êtes en ville et 7 litres, voire même 6 litres et quelques si vous faites vraiment que du 80 et du 110. Vraiment un extérieur très futuriste, surtout avec cette calandre pleine à l'avant qui sur les phases 2 a changé, donc on n'est plus sur une calandre pleine comme vous pouvez voir avec la vidéo de mon père. Enfin, sur la vidéo du 2 litres 2 de mon père, qui n'est pas anti-pèse d'ailleurs, et donc en 5 portes. Donc, un design très futuriste, assez, comment dire, très peu commun. Un extérieur, donc, qui aura un gabarit quand même qui va être assez large par rapport à la longueur de la voiture, mais c'est ce qui fait un petit peu son style sportif et futuriste. Donc on va venir faire attention sur cette voiture, donc à la peinture, en particulier du coup à la peinture rouge et aussi à la peinture noire. Donc surtout la peinture rouge, moi je vous l'assure, ayant maintenant eu l'occasion de présenter deux Civic rouges, les deux portent des problèmes de peinture, surtout au niveau des éclats de gravillon, etc. sur la face avant. Le noir, c'est à vérifier, je n'ai pas de Civic noir sous la main, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur un petit peu tous les articles, etc. De la voiture. On a un intérieur assez spacieux quand même, voire même très spacieux par rapport à sa gamme. On a vraiment une longueur au niveau des jambes qui est très confortable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bon, à l'avant, vous êtes forcément beaucoup mieux installé vu que c'est un coupé. Dans la sac porte, c'est pareil. À l'extérieur, on a quand même une largeur et une longueur pour les jambes qui est quand même très correcte. Une personne d'1m80, voire même 1m90 passe. Bon, il faut forcément que celle de devant ne fasse pas exactement la même taille. Voilà, il faut qu'elle soit forcément un peu plus petite. Mais voilà, donc, concernant le coffre aussi, on est sur un coffre de 485 litres. Ce qui est quand même assez énorme. Et en plus de ça, moi, j'ai le sous-coffre disponible. Donc, dans celle de mon père, il y a la roue de secours. Dans la mienne, le mien est donc vide. Ça rajoute à peu près 20 litres, quoi, je pense. Donc voilà, à ce niveau-là, on est vraiment dans quelque chose de très spacieux. On a un confort qui est quand même relativement respectable. Les sièges en général sont assez confortables, surtout à l'avant. À l'arrière, forcément, la banquette est un peu plus, un peu moins rembourrée, etc. On est vraiment sur une voiture qui va être idéale pour deux personnes. Pour quatre personnes, c'est jouable. Mais on n'est quand même pas aussi bien assis que dans une série 3, quoi. Donc le grand coffre et le sous-coffre, je vous en ai déjà parlé. C'est exactement les mêmes, hein, que ce soit pour la Type S, donc le coupé ou la 5 portes. Un design aussi très futuriste. Donc on a vraiment tout qui est centré sur le conducteur. Donc on a trois écrans.
On aura donc le contour avec un écran milieu, la vitesse au-dessus, donc qui fait un peu affichage tête haute. Et ensuite, en haut à droite, on aura tout ce qui va être radio, etc., média. Tout ça est donc très centré sur le conducteur. Et on est vraiment entouré même par le passage au milieu. Faut savoir que moi, la boîte de vitesse, donc le pommeau de boîte de vitesse et le soufflet ont été changés, donc de base il n'y a pas de soufflet et c'est un pommeau qui est bien différent, que vous pouvez observer sur la vidéo de la présentation de la Civic de mon père. Et donc sur le mien, j'ai mis un pommeau de Civic américain avec un soufflet type S que j'ai trouvé sur Amazon, tout simplement. Voilà, donc c'est bien centré sur le conducteur. Donc de base, c'est très bien optionné. Il faut savoir que vous avez quand même le régulateur, le limiteur, les sièges chauffants, donc ça c'est une option. Le toit panoramique qui est une option aussi. La boîte auto qui est une option aussi. Auxiliaire et USB, donc ça, ça va être seulement dans la phase 2. À ce que j'ai vu, à ce que je comprends, parce que bon, voilà, moi à la base je cherchais une phase 2, mais vu les prix, du coup j'ai choisi de prendre une phase 1 et 2, donc j'ai fait un petit bricolage pour pouvoir quand même brancher mon téléphone. Et puis il y a aussi les sièges en cuir. Je reviens sur l'USB, donc l'USB est seulement compatible avec soit les clés USB, soit les appareils Apple, voilà, donc au niveau du fonctionnement. Sinon, après, vous avez l'audio in que j'ai installé moi-même. Ce n'est pas très compliqué, franchement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous bloque à l'achat. Si vous aimez le confort de pouvoir brancher votre téléphone, installez le petit boîtier qui va sous la clim. C'est pas très sous les commandes de clim, c'est pas très compliqué. Et sous l'autoradio aussi. Il faut savoir que le son aussi est de très bon augure, je trouve. Qu'il est quand même relativement bon, et ça c'est assez sympathique aussi. Et sur l'étape du ressenti, donc tu vois, je te mets quelques images. Donc c'est pas forcément la première est une type R, mais donc c'est pour voir un peu les kits, un peu voir à quoi ressemble une type S, un peu tuning disons. Donc par rapport au plaisir de conduite, le plaisir de conduite est réellement présent. Tu prends du plaisir à conduire cette voiture, la direction est assez ferme. C'est quand même plutôt confortable, tu peux monter dans les tours. Tu as une réelle poussée dans le diesel et tu as vraiment quand tu montes jusqu'à 7000 tours avec la 1.8 ou la 1.4, à mon avis, tu te fais vraiment plaisir, quoi. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Concernant la sonorité, c'est pour ça que des lignes existent sur ce type de voiture. La sonorité est vraiment, elle est présente au niveau moteur, mais au niveau de l'échappement, il n'y aura vraiment rien du tout. En petit bonus, à la fin, je te mettrai un démarrage sans, sans silencieux, étant donné que j'ai fait un petit bricolage dont je te parlerai plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc le confort, voilà, il est acceptable, mais il faut pas être trop exigeant, c'est-à-dire que si tu as eu l'habitude de rouler en série 5 ou en série 7 durant tout le long de ta longue vie, je peux t'assurer qu'une Civic, tu vas trouver ça ferme. Mais si tu roulais dans quelque chose d'assez ferme ou de relativement normal, c'est relativement normal, c'est un petit peu plus ferme qu'une voiture basique. En même temps, ça a quand même des caractères sportifs, légèrement sportifs, donc ça se comprend. Pour moi, au niveau du ressenti, c'est vraiment un bon daily. On est vraiment sur quelque chose qui va pas consommer des masses. Encore une fois, voilà, entre 80 et 110, la voiture en 6e, elle consomme quasiment rien. Le moteur tourne pas au ralenti, mais voilà, presque. Et donc du coup, c'est vraiment un bon daily, même si tu fais un peu d'autoroute, etc. Ça peut être un bon compromis, surtout si tu es accro à l'essence qui monte dans les tours, etc. Donc c'était la part, puis pour faire du covoiturage, etc. Voilà, c'est tout à fait faisable. Les personnes à l'arrière doivent forcément ne pas forcément être trop grandes, ou du moins pas dépasser 1m80 par personne, parce que sinon
deux personnes qui font 1m80 l'une derrière l'autre, peut-être que c'est un peu juste, mais ça doit être la limite. Voilà. En ce qui concerne le ressenti. Idéal pour quelqu'un qui cherche, qui n'est pas accro au confort plutôt, et qui est accro au plaisir de conduire, parce qu'on en a vraiment un, et qui cherche quelque chose de polyvalent, dans un ensemble tarifaire entre 15 000 et 3 000 euros. À 15 000 euros, tu auras vraiment une voiture qui va être au top, avec quasiment même pas 50 000 km, nickel chrome. Et 3000 euros, donc là ce sera au moins 200 000 bornes. Généralement, ce sera le diesel qui va être dans ce cas-là. Et tu auras sûrement des trucs à refaire. Voilà, c'était pour te donner la plage à peu près de la cote de cette voiture. Faut savoir que moi, du coup, je l'ai acheté 7500 euros, à peu près donc au milieu de ce tarif-là. Et je m'en sors avec donc une voiture qui a 130 000 km, qui est dans un état très correct. Et donc avec un entretien très correct, etc. On se retrouve à l'arrière de ma voiture pour finir cette petite vidéo. Donc les points à vérifier, donc comme je t'ai dit, la rouille, j'ai une sacrée tête, la rouille, donc j'ai eu de la rouille de surface, c'était une belle surprise. Et du coup les éclats de peinture que tu peux peut-être constater ici. Donc là, ça sur la voiture, sur les voitures rouges Honda, donc la Civic 8, j'ai eu ce problème là. Sur la noire apparemment c'est aussi un peu connu. Est-ce que c'est un investissement? Je pense qu'il faudra attendre au moins 10 ans pour savoir si c'est un investissement ou non. Après, dans 20 ans, je pense qu'effectivement la cote remontera. Voilà. Voilà, c'était tout pour te dire salutations. N'hésite pas à rester pour les petits bonus à la fin de la vidéo. Et je te dis à une prochaine. Salut. Je rappelle, on a 180 Nm de couple. Je mets pied au plancher. Je suis presque sur le fermé. Vite à 140.